Grande édition sur Face Télévision, une édition vespérale. Madame, messieurs, vous êtes les bienvenus dans cette parcours que nous allons cheminer avec vous ensemble pour faire la ronde de l'actualité en République démocratique du Congo du jour. Vous faites bien de nous choisir pour vous informer. Commençons ce journal à la présidence de la République où le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu en audience dans l'après-midi du jeudi 1er septembre 2022 dernier les ambassadeurs congolais récemment nommés. Ils sont venus remercier le garant de la nation pour le choix porté sur eux. Suivez. Récemment nommés et affectés à leurs postes respectifs, les ambassadeurs de la RDC en Pologne, au Qatar, au Ghana, au Libéria, au Canada, en Corée du Sud, en Russie, au Vatican et en Tanzanie, ont été conduits ce jeudi 1er septembre auprès du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Apala. Les diplomates congolais ont d'entrée de jeu remercié le président de la République pour les choix portés sur leur personne. L'appel aux investisseurs, l'encadrement des compatriotes de la diaspora dans leurs différents pays ont constitué notamment les recommandations du chef de l'État, indique l'ambassadeur de la RDC en Pologne, Madame Clémentine Chakembo Kamanga. L'objet de cette rencontre était d'abord de le saluer et ensuite lui dire merci pour avoir porté son choix sur nous et par la suite recevoir ses instructions pour nos prochaines missions diplomatiques. Encadrer la communauté congolaise dans nos pays, relever le fait que la RDC est un pays solution pour nos minéraux et pour notre écologie. Nous devons aussi chercher les investisseurs pour pouvoir appuyer le développement de notre pays. Et il a cité quelques pays en exemple, par exemple la Corée du Sud et le Qatar. Restons toujours à la présence de la République pour parler cette fois-ci d'une autre audience que le chef de l'État a accordée aux différents gouverneurs de la République démocratique du Congo. Il s'agit de la gouverneure du Haut-Lomami, de la gouverneure de la province du Tanganyika, mais aussi John Kabeya, gouverneur de la province du Kasaï central. Au menu de leurs échanges, le développement de ces provinces précitées. Une fois de plus, la cellule des communications de la présidence. Le développement du Haut-Lomami, du Tanganyika et du Kasaï central était au menu des entretiens que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu avec le gouverneur de ces trois provinces, reçu tour à tour à la Cité de l'Union africaine. Pour Madame le gouverneur du Haut-Lomami, Isabelle Yumba Kalenga, sa province compte beaucoup sur les grands travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 1 pour son désenclavement. La province du Haut-Lomami, c'est une province qui est enclavée. Et le besoin actuel, c'est désenclaver la province. Et nous sommes rassurés par les chefs de l'État et que bientôt, surtout cette route nationale numéro 1, qui tous nous importe, va commencer, les travaux vont commencer, on va lancer les travaux. Je rassure ma population que le chef tient à tout prix relever ce défi de développer cette province du Haut-Lomami. Le développement, mais aussi la situation sécuritaire au Tanganyika, ont été évoqués au cours des échanges du président de la République avec le gouverneur de cette province, Madame Julie Ngongwa Mwayuma. L'image que la province présentait, c'est comme s'il y avait de l'insécurité ou quoi. Et j'ai donné quand même des éclaircissements par rapport à ça. Il n'y a pas d'insécurité dans la province. Depuis que je suis arrivée, il y a du calme. La province est potentiellement riche. Il suffit seulement d'y mettre du sérieux et je pense que la province va décoller. Les travaux d'infrastructure, notamment sur la route Kalambambouji et le barrage de Katende, sont au centre de préoccupation au Kasaï central, déclare le gouverneur de province John Kabeya Shikai. Pour la route de Kananga Kalambambouji, nous venons de nous mettre d'accord avec l'autorité, le chef de l'État, que le 10, il sera à Kananga pour le lancement des travaux de Kananga Kalambambouji, qui est une route salutaire pour la province
et pour l'espace Grand Kassai. Katende, où en est-on? Les travaux sont toujours en arrêt, qu'est-ce qui se passe? Oui, effectivement, c'est comme ça, nous avons échangé longuement avec le chef de l'État. Je pense que lors de son arrivée à Kananga, on aura puis certaines solutions à trouver ensemble pour voir qu'est-ce qui reste à faire et qu'est-ce que nous allons faire. Et puis la solution sera trouvée sur place à Kananga. Parlons éducation, cérémonie de ranking des chercheurs de l'Université de Kinshasa, on en parle dans cette édition. C'est en vue de redorer le blason de l'UNIKIN qui n'est plus reprise dans le classement des meilleures universités que l'actuel comité de gestion dirigé par le professeur Dr Jean-Marie Kayembe tient ses assises. Suivez. Tant relégué dans la liste noire des universités du monde, l'Université de Kinshasa se lance dans le processus de reconquérir sa première place des universités, non seulement au niveau national, mais aussi au niveau continental et dans le monde. Le nouveau comité de gestion de cette institution, dirigé par le professeur Jean-Marie Kayembe, fait de la recherche son cheval de bataille. En ce jour, il a procédé au ranking de ses meilleurs chercheurs et facultés pour le premier semestre de l'année académique 2021-2022, dont les premiers chercheurs seniors ont été primés en trophée et en brevet. Le professeur Jean-Jacques Moyembe a été plébiscité meilleur chercheur avec 8,7 points d'indice, Chimanga Mwamba Raphaël 8,2, Longo Mbenza Benjamin 6,4, Chomba Kinyambi Sylvain 4,1, Kayembe Ntumba Jean-Marie 3,1, Bisaki Boul Michel 3,0, Makulo Rissasi Jean-Robert 2,8, Chimpio Layaba Antoine 2,8, Soumaïli Kiswaka Ernest 2,8 et Menvanga Bondo Patrick 2,8. Les facultés de médecine vétérinaire, de médecine bucco-dentaire, des sciences agronomiques sont classées meilleures facultés de ce ranking. Quelques chercheurs juniors ont été également primés dans différentes facultés. Ceci passe par la publication des articles de leurs recherches dans les revues indexées, l'organisation des conférences et la participation à des compétences internationales. Cette cérémonie a été clôturée par le conseiller du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire qui a salué l'objectif poursuivi par le comité de gestion qui vise l'émulation des chercheurs et facultés et aussi la visibilité de l'UNIKIN en vue d'envisager les atouts de parution sur le ranking international des meilleures universités du monde. En société, spoliation du terrain Tchobo dans la commune de Matete, sur plaidoirie du cadre de l'UDPS, Diabanza Mwananene, l'hôtel de ville de Kinshasa, a procédé à la démolition de la construction d'une morgue sur ce site. Question de remettre dans le droit les habitants de ce coin. C'était en présence du vice-gouverneur de la ville province de Kinshasa, Jekoko Mulumba. Reportage, Dieu merci bien. Ils étaient disés lorsque ce cadre de l'UDPS, Diabanza Mwanene, a effectué une descente au terrain Tchobo dans la commune de Matete, à Kinshasa, accompagné d'une foule. Cet homme très populaire de Matete et de Moamba a réussi d'empêcher la construction de la morgue sur le terrain Tchobo de Matete. Des travaux qu'effectuant la société Edox, Diabanza a pris la parole pour encourager les jeunes sportifs et les habitants de la place. Non, je dirais que le pari est gagné réellement en premier lieu pour le Matétois parce que c'était le combat de Matétois. C'était un combat très difficile pour nous, mais heureusement, le contexte sociopolitique permet aujourd'hui que nous puissions espérer. C'est grâce à l'implication du chef de l'État que nous avons eu réellement cette victoire. L'homme a tenté de s'occuper partout, il a tenté de corrompre, mais les présents s'est impliqué et heureusement aujourd'hui, pour tout le Matétois, les terrains nous appartiennent. Et tout le monde sait que désormais, nous pouvons continuer à apprendre le football sur ces terrains-là. La population à son tour a célébré la victoire d'avoir récupéré leurs terrains vides. Retenez que cette activité s'est déroulée à présence de plusieurs autorités du pays, entre autres les secrétaires de l'UDPS, parti présidentiel, Auguste Kabuya Mwanabouté.
politique dans cette édition. Il serait malade depuis la prison centrale de Makala. Lui, c'est Dimi Kitenge Mandanda, secrétaire national du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD en sigle, en charge des communications. Aristote Ngari plaide pour la liberté provisoire de Dimi Kitenge afin de lui permettre de poursuivre son traitement. C'était à l'émission Canal Presse sur Canal Kim Télévision. Suivez. Un vaillant combattant, un guerrier, un résistant, Dimi Kitenge Mandanda, c'est le secrétaire national en charge de la communication à PPRD, Ozaki, enlevé depuis le 26 juillet 2022, a sali 10 jours dans le cachot, il y a un air torturé, il y a un coup de cassation, il y a un parquet, il y a un Makala. Dimi Kitenge, très cher camarade, il y a des dédié émission Oyo, c'est à ta mémoire, c'est à se rappeler à Yo, il y a l'émission Oyo. Deko Zulu, tu as rappelé le combat qui est très important. Dimi Kitenge, santé na ezali mabe na Makala. Dimi Kitenge est malade. Dimi Kitenge, tant que son nom est là, dégager ma signe, il y a moto ezali empoisonné. Dimi Kitenge très malade na Makala. Et on se pose la question, qu'est-ce qui s'était réellement passé? Kolekana ane, kolekana parke, babokaina Makala, qu'est-ce qui se passe? Donc ici, nous sommes en train d'attirer l'attention. Ce qui est comme comme le Dimi Kitenge, tu as dit parcours na enenga lekaki. Alekaki na ane, aleki na parke, loza na Makala. Pire encore, ndeko Zulu. Tu as aussi senga liberté provisoire pour que le coup ta médecin aille ba traiter. Le peuple que le demande. Liberté provisoire sur ma médecin, bato ba ibambongo ya 100 jours, ba kota Makala, bazwa liberté provisoire, ba kenda na Paris ko se faire soigner. Moussou Baloba ki asalaka coup d'état, asenga liberté provisoire, yona kenda na Paris ko se faire soigner. Mais le cas à Jimmy, il n'a jamais détourné Mbongo à l'État, il n'a jamais dans la rébellion, c'est parce qu'à cause de ses convictions politiques, Jimmy Kitenge à Makala aujourd'hui, nous avions compris. Parce que dans le débat politique, on n'a pas réussi à gagner l'issue à Colomb à Jimmy. Parce que Dimi Kitenge est égal à 10 communicateurs à l'Union Sacrée. Dirigeons-nous en province. Là, dans les territoires de Kwamount, ce territoire ne vivra pas l'ambiance de la rentrée scolaire 2022-2023 prévue pour le lundi 5 septembre sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Cette triste réalité est due à l'insécurité née des tensions interethniques dans cette région. Le ministre provincial de l'éducation de la province de Maïndombe, Ambroise Nkele, a signalé que plusieurs écoles de Kwamount sont incendiées et les populations sont en déplacement à la suite des violences intercommunautaires. Le gouvernement provincial de Maïndombe n'a pas encore prévu une date pour la rentrée des classes à Kwamount. Quittons Maïndombe pour la province de l'Ituri, où il s'est tenu un atelier de 3 jours à Bounia, chef-lieu de la province de l'Ituri, tenu par le gouvernement provincial. Et c'est dans le cadre de projet Ensemble pour la sécurité et la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Un plan de sécurité de 5 territoires de l'Ituri a été adopté par les acteurs étatiques et structures de la société civile. Suivez ce reportage que vous propose la presse militaire de l'Ituri. La province de l'Ituri dispose désormais d'un plan opérationnel de la mise en œuvre du plan d'action de sécurité des territoires. Ce plan a été validé à l'issue de 3 jours de travaux au cours de l'atelier organisé à l'intention des acteurs étatiques, acteurs de la société civile et autorités provinciales. Objectif, faire le suivi et la coordination de la gouvernance sécuritaire et judiciaire pour renforcer la cohésion sociale, a dit l'inspecteur provincial de la territoriale, Godefroy Kouanza, qui allie les recommandations. Il était question d'identifier les actions à mener par les autorités provinciales dans le plan local de sécurité des territoires d'Arou, Djougou, Irumu, Maïgi et Mambasa, en vue d'éliminer les causes majeures des principaux problèmes sécuritaires, de déterminer les indicateurs et les responsables de la mise en œuvre de chaque action. Cet atelier vient en appui aux actions de l'administration Arekoni, l'administrateur du territoire de Maïgi. Cet atelier nous a permis d'acquérir beaucoup de notions liées à la gouvernance sécuritaire
ce qui nous permettra de bien travailler surtout lors de nos itinérances et en matière de sécurité dans l'exercice de notre fonction. Nicky Douma, représentant du pays de l'ONG internationale, énumère certaines actions en cours dans le cadre de ce programme. Oui, cette activité, sous l'invitation du gouverneur de province de Litour, a porté sur la validation d'un plan opérationnel provincial en matière de la gouvernance sécuritaire pour appuyer la mise en œuvre des plans locaux de sécurité des différents territoires de province. Donc nous allons continuer à appuyer l'autorité territoriale ainsi que l'autorité provinciale dans leur mise en œuvre. Au nom du gouverneur de province, Maître Onega Egui, directeur de cabinet de l'autorité provinciale, estime que ces assises constituent les socles du renforcement du processus de pacification de l'Ituri. De jeu, permettez-moi de rendre les hommages les plus déférents à Son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, artisan de la paix et de la sécurité de notre pays en général et en particulier de notre chère province de l'Ituri, et de le remercier pour sa vision à restaurer l'autorité de l'État, la sécurité et de rétablir la cohésion sociale en Ituri. Financé par les royaumes de Pays-Bas, cet atelier a été organisé par le gouvernement provincial de l'Ituri sous la facilitation du consortium VNG International et Corded. Restons toujours dans cette province pour parler cette fois-ci des humanistes qui sont désormais déterminés à assister les déplacés qui regagnent leur milieu en territoire d'Irumu et Djougou. L'annonce est de la chef du bureau pays ad intérim des Ocha en RDC, Alexandra de Souza, jeudi dernier. C'était lors d'un échange avec le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Johnny Luboyankachama. Une fois de plus, la presse militaire. Dans l'objectif de permettre le retour d'une énième vague de déplacés dans certains coins du territoire d'Irumu, stabilisé et sécurisé par les forces armées, une délégation de humanitaires, conduite par la chef de bureau pays en intérim des Ocha en RDC, s'est entretenue avec les gouverneurs militaires de l'Ituri ce jeudi 1er septembre. Pour le docteur Alexandre de Souza, les humanitaires vont poursuivre l'assistance envers les populations qui en ont besoin. L'entretien porté sur les besoins humanitaires, donc sur les déplacés, les gens qui essayent de retourner chez eux. On a abordé aussi comment on peut sécuriser les axes pour que les gens puissent rentrer. Notre demande principale, c'est qu'on puisse continuer à accéder aux populations qui ont besoin d'aide humanitaire. Bah, nous, on est là pour rester. Tant qu'il y a des besoins humanitaires, on reste. Et on essaye d'augmenter nos capacités de répondre à ces besoins. Tant qu'il y aura des besoins, nous, on sera là. Occasion pour la chef de bureau pays un d'intérim des Ocha en RDC d'encourager également les forces armées à poursuivre leur action permettant aux humanitaires d'accomplir leur mission. Ici de noter que, depuis l'instauration de l'état de siège, de nombreux déplacés ont regagné leurs habitations en territoire d'Irumu, Mahagi et Djougou grâce à l'amélioration de la situation sécuritaire après les opérations menées par les forces armées. En sport, direction Congo Central, précisément à Kisantu, où il s'est terminé les travaux en commission jeudi dernier. C'est tenu à huis clos une première session consacrée aux exposés et débats sur les divers amendements en panel. Emmanuel Tigougué de la commission de l'évaluation des états généraux des sports de l'année 2008 est revenu sur les travaux réalisés en somme dans cette commission. Suivez nos envoyés spéciaux qui sont sur place. Il s'agit de Josué Lelo et Erwin Simba. Après deux jours intenses et fournis de travaux en panel dans les six commissions constituées, soit les mardis 30 août et les mercredis 31 août, ces jeudi 1er septembre 2022 ont débuté les exposés en public des résolutions et amendements pris dans les différents blocs des panélistes devant une assistance réduite, comme annoncé dans notre précédente communication. C'est dans la grande salle de conférence d'Ambouéla Lodje que se sont tenus ces exposés avec débats et conclusions à huis clos, car avant les débuts de tout, à l'entrée de tous les participants enregistrés dans la
salle. La presse a été priée de sortir pour laisser les commissions exposées à ciel fermé. Bien avant les débuts de cette partie, sans nul doute quasi importante, logée dans la commission de l'évaluation des états généraux des sports de l'année 2008, les présidents de la structure des Alésie les Léopards est revenu ensemble sur les travaux abattus dans sa commission. Emmanuel Sigouget. Il fallait réfléchir et savoir exactement qu'est-ce qui se passe. On a eu pratiquement les états généraux de 2008 et la commission qui est la mienne s'occupe de l'évaluation de cette commission, de savoir exactement ce qui n'a pas été fait, ce qui n'a pas tourné. Et voilà comment on est là, en tant qu'Alésie les Léopards, pour essayer de réfléchir et trouver des solutions. Dans un autre registre, Emmanuel Sigouget a rebondi sur les regards et la présence de la structure Alésie les Léopards à ses assises. On comprend que l'État ne peut pas tout financer. Ok ? Il se sent essoufflé. Lui, il faut réfléchir comment trouver un autre financement pour financer le sport en dehors de l'État. C'est ce qu'on est en train de faire, c'est ce que le Bénin a fait, c'est ce que le Sénégal a fait, c'est ce que d'autres pays ont fait, le Maroc. Quand tu vois le Maroc venir avec 18 avions, 13 avions pour venir jouer avec tout, c'est parce qu'ils ont créé un fonds. Ils ont créé un fonds de sport. Ils ont essayé de défiscaliser certaines sociétés. Donc, certaines taxes que les sociétés ne payent pas, et en retour, ils versent dans les fonds de sport. Et ça permet à ce que le sport puisse continuer, on peut commencer dès la base au sommet, parce que tant que la base ne fonctionne pas, les interscolaires n'y arrivent pas, les interuniversitaires n'y arrivent pas, les interquartiers n'y arrivent pas, on n'aura pas des clubs forts, on n'aura pas des équipes nationales. Voilà un peu la situation. Signalons qu'après ces exposés des 6 panels, la journée du vendredi 10 septembre sera donc consacrée à l'adoption des résolutions et amendements qui vont constituer une feuille de route afin de redynamiser les sports en RDC que le président de la République devra promulguer comme tel. Entre-temps, des bons matins ce vendredi s'est réuni à huis clos une commission ad hoc avant la plénière d'adoption proprement dite qui est prévue ce vendredi sous le coup des 18h. Revenons à Kinshasa, à 2 jours du match retour des Léopards A' de la République démocratique du Congo face au Sao du Tchad le dimanche 4 septembre prochain au stade de Martyrs de la Pentecôte pour le compte des éliminatoires du CHAN et l'Algérie 2022. Otis Ngoma, sélectionneur des Léopards A' en compagnie de Sébastien Desabre, entraîneur des Léopards seniors, ont conduit une séance d'entraînement. Suivez Otis Ngoma qui a rassuré au micro de Josué Lelo. C'est une bonne chose, nous sommes en finale, c'est une bonne chose, c'est notre objectif. Je crois que ce ne serait pas impossible puisque nous allons jouer encore de nouveau parce que chacun de nous a vu son équipe, son adversaire. Je crois que prochainement, notre prochain adversaire, on les connaît, on les verra sur place. Il est certain que nous devons tout faire pour arracher notre coupe le samedi. Oui, tout à fait, madame. Vous m'avez précédé un peu là. La rencontre passée que nous avons fait un match nul, nous avons vu l'adversaire. Les amis de Mkwawa ont le même style que l'équipe que nous avons abordée la fois passée. Donc, il y a des balles longues. Donc, en effet, nous, on a insisté aux enfants de jouer à terre, construit au sol. Comme ça, nous allons élaborer par des contre-attaques. C'est là où nous avons fait perdre la supériorité sur les plans offensifs. C'est ça qui a fait que nous avons pu marquer le premier but. On est allé à la mi-temps. On a essayé un peu de pousser les enfants. Ça ne sert à rien de soulever le ballon. Il faut jouer dans les 1-2. Avec les 1-2, vous allez éliminer un peu une à deux joueuses au milieu du terrain. À ce moment-là, nous aurons de l'espace à jouer. C'est là qui a contribué que c'était payant. Nous avons marqué 2 buts. Bon, je ne peux pas être ingrat vis-à-vis de la fille parce que je connais, c'est ma fille, je peux dire en quelque sorte, j'ai contribué pour sa carrière. Ce n'est pas impossible, mais elle a contribué valablement. Je crois bien qu'il faut être sincère sur le terrain. Il a fait ce qu'elle pouvait faire selon sa classe. Merci beaucoup. C'est une contribution, c'est une patriote, je crois bien qu'en quelque sorte, elle a contribué pour son pays. À part Amani, c'est une Congolaise, je crois bien que ça fait plaisir à tout le monde. Oui, c'est vrai, il y avait un problème de marquage, surtout à la première mi-temps, il y avait un problème de marquage. Vous savez, il y a un problème sur le plan tactique, c'est-à-dire nous avons un peu de difficultés dans le football moderne. Les véritables athlètes qui sont des techniciens ont des difficultés à faire le marquage strict.
Des fois, ils font le marquage élastique. Or, ici, il faut faire le marquage en culotte. Mais à chaque fois, il faut les rappeler en l'ordre pour ne pas connaître la différence. Mais Dieu merci, nous avons gagné le match. C'est ça qui est l'essentiel. Je crois bien qu'on va changer un peu les discours, rectifier un peu. Toutes nos excuses pour ces désagréments. Vous venez là de suivre les derniers virages décisifs pour le club de football féminin qui est en compétition internationale à Dodoma, en République de Tanzanie, où les poulines de Raphaël Mossi qui vont jouer la formation des Fountain Gates demain samedi en finale. Et c'est après la victoire face à Nkwama Princess 3-0. C'était un propos recueilli par notre envoyé spécial sur place, Fred Abala. Madame, Monsieur, vous avez compris que c'est fini pour cette grande édition de cette soirée. Prochain rendez-vous avec vous, c'est la semaine prochaine. Et bonne suite de programme sur notre chaîne.